J'ai toujours fait sport-études. Ça a toujours été très important pour moi de faire les deux. Je trouve que le sport aide beaucoup aux études, dans le sens que tu te concentres sur ton sport, puis ça t'aide par la suite à performer à l'école aussi, ça va de soi. J'ai fait de l'athlétisme pour les Grizzlies et pour le club d'athlétisme de l'Aviron de Montmagny. Une fois arrivée à l'université, j'ai été sélectionnée dans l'équipe de soccer pour jouer universitaire. Donc j'ai joué pendant 3 saisons. Puis à partir de l'automne, j'ai réintégré dans le fond l'athlétisme, ma passion du temps. Donc depuis le mois d'octobre, je suis dans le varieur athlétisme. Aux 4 fois 200 mètres, on a terminé en 2e position. Donc, on a une médaille d'argent à ce niveau-là. Pour les autres épreuves, j'ai terminé au triple saut 4e avec un meilleur saut à vie. Puis au saut en longueur, j'ai fait un saut de 5,21 m. C'est des bonnes performances, donc je suis quand même très contente de ces résultats-là. Notre objectif principal, c'est de se classer pour les finales. Il y a les qualifications qui sont le vendredi, puis samedi, il y a les finales. Donc, on aimerait bien faire partie des 6 équipes qui vont être en finale samedi. Ben c'est sûr que je suis un peu stressée à la vue de cette compétition-là. C'est une compétition d'envergure, mes premiers championnats canadiens. Donc c'est sûr que c'est stressant un petit peu, mais le fait d'être dans une épreuve, dans le fond, c'est ça, ça va être le 4x200 mètres, donc une épreuve avec 3 coéquipières, ce qui fait qu'on est ensemble pour se supporter là, dans ce stress-là.